Musée Grasset. T'as un musée? Alors, comme vous voyez, je suis dans mon musée. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai fait ça. Et voyant que les gens venaient de partout le voir, ça m'a encouragé. Et puis j'étais content, tout le monde vient, regarde, s'en va. Ils ont un bon souvenir de notre village, qui est un ancien village. Ma maison date de 202 ans. Alors je me plais à Chandu, je suis content d'avoir fait ça. Dans les racines, dans le bois, on trouve de tout. Dans la mer, il y a des coquillages, il y a des plantes sous-marines, il y a de tout. Mais dans nos forêts, ben, il y a de tout. Un coup, je rentre chez moi, puis j'avais ramené du bois, puis il y a mon neveu qui se trouve en vacances, il avait 15 ans, par là. Puis il dit, oh, tonton, qu'est-ce que tu fais de ce bout de bois? Oh, puis c'est pour mettre dans le fourneau, c'est que j'en fasse d'autres. Puis nous devons faire une chouette. Une chouette. Mais oui, ça fait 2 yeux. C'était un arbre qui était double, hein. Et puis, ma foi, c'est bon, oui, hein, je lui ai donné le bout de bois. Je suis parti là-dedans. Alors, tous les jours, quand j'entrais du bois avec mon tracteur, j'avais pas un caillou ou deux percé, j'avais une racine, un machin tordu, enfin, de tous les côtés. Et j'ai tout fait des bêtes avec, et les, oh là là. Tout est posé, oui. Et puis, les gens qui viennent, ils regardent, ils n'en reviennent pas. Alors, moi, ça me fait plaisir. Ma foi, c'est encore une salamande. Puis, une autre forme de lézard. Puis là, j'ai envie de faire une trompe d'éléphant. Là, c'est encore un autre serpent. Et puis là, c'est un gros taureau. Puis au-dessus, là-bas, c'est un sanglier. Puisque maintenant, je suis à la retraite, alors quand j'ai un moment, je vais à mon petit atelier. Puis ouais, je travaille comme ça, quoi. Un coup, je fais un serpent. Après, je fais d'après le bout de bois, quoi. Que je vois ce que je peux faire en le retournant d'un côté et de l'autre. Puis pour commencer, ben, il faut se reculer, regarder, mettre les yeux, comme on dit, en face des trous qu'on a fait. Puis avant de faire le trou, il faut faire un point. On prend un clou et puis on regarde si les deux points sont en face. Alors après, vous savez, avec une petite vrille ou un machin pour faire les trous, on fait un petit trou, un gros trou. Vous savez, moi, si c'est une bête un peu grosse, j'ai fait un œil, alors des fois, j'y mets des chevrotines. Oui, pas une chasse, là. La chevrotine. Si c'est des oiseaux, je mets des plus petits plombs. Enfin, je les fais de façon. Alors, on met un peu de noir pour les yeux autour des blancs, et puis un peu de blanc. Et puis après, ça dépend si c'est un canard, enfin, comme il y en a que vous voyez. Mais rien n'est truqué, c'est tout naturel. Alors, vous voyez, c'est ça qui fait la valeur du musée, quoi. C'est que quand on commence une chose, après l'avoir bien pensé, ça fera comme ci, comme ça. Eh bien, c'est qu'on ne dort pas, on est toujours avec cette chose-là devant soi. Puis après, une fois qu'on est après, on ne peut plus la quitter. Et puis, vous savez, quand elle part, à supposer, hein, eh bien, ça fait partie de la famille. Parce que quand on prend un bout de bois, qu'on le sculpte avec un bout de bois tout tordu, tout de rein, et qu'on en sort une bête qui vous regarde, qui... Eh bien, vous savez, ça fait une drôle d'impression. Hein. C'est vraiment une création, comme on dit. Alors, tu vois, voilà ton canard, tu vois, voilà le compagnon, là, celui qui m'a guidé pour te faire. Enfin, je pense que t'es à peu près comme lui, hein. Vous voulez pas vous battre, non? Eh bien, ça va. Hein? Moi, ça me fait plaisir. Je vois que j'ai au moins fait quelque chose du temps que j'étais sur la terre. Hein? Ils reparleront quand même un peu de moi, je serai peut-être pas tout oublié.